Bonjour à tous, c'est Shadowbros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Super Mario Odyssey. Et du coup, bah aujourd'hui, on va directement continuer notre petite aventure de Super Mario Odyssey en continuant notre petite aventure. Je vois que déjà les petits Goombas sont là, c'est pas grave. Goomba servent à rien. Les petits Goombas sont réapparus. Bon, on s'en fout. Bon, allez. On a volé assez de potée de fête pour nourrir tout un régiment. Et dès que j'en aurai fini avec toi, je retournerai sur le volcan pour faire son sort à cette marmite. J'ai faim, Minus. Bon, bah, c'est un boss en soi qui est du poison, donc il suffit juste d'attendre. Hein. Hop. Y a rien de difficile dans ce boss. C'est du fromage en soi, quoi. Non. On va dire sous le fromage, ok. Bon, il ne reste plus qu'une un éclat de lune. Voilà. Flotter, couler dans le marais de lave. Alors, voyons voir ce qui nous attend ici. Déjà, on a des pommes. Ouais, c'est génial, ça sert à rien. D'abord, on a une lune qu'on va aller récupérer. Hop! En surplomb du monticule de sel. C'est du sel, d'accord. J'aimerais bien faire la lune des Goombas là.
Allez, hop. La mort au-dessus de la lave. Non mais quel connard, c'est Goomba. Oui, bah mange pas tout, ok. Voilà, je l'ai eu. C'est quoi? Ah, ça c'est le jeu. C'est vrai que je l'ai jamais encore fait ce jeu, mais on peut le faire. Allez, on continue. Ok, bon bah je suis tombé. Bon tant pis. Là-dedans, donc ça je récupère ça. Il y a un Mario Shaw ici du coup. Mais je pense qu'on s'en fout. Ça aussi, ça se mange? Bah non. Ok, ça je peux pas du coup. On va aller acheter une lune. Voilà. De toute façon, il n'y en a qu'une que je n'ai pas achetée en soi. Je crois que c'est au pays du gratte-ciel. Je crois qu'ici, il y a un navet d'or. Les navets d'or, il faut les mettre dedans qui nous donnent une lune. Et si vous mettez les navets normaux, en soi ça donne. Ça donne juste des pièces normalement. Je veux juste vérifier si on a eu tout ce qu'il faut ici en soi. Donc je vérifie vite fait ici en soi.
Mais allez, fais un effort, Mario. Jette ton chapeau sur ce petit pot de boue. Voilà. Voilà. Allez, hop. Ouais, désolé, j'ai pas utilisé les fourchettes là, j'ai utilisé plutôt mon chapeau. Alors, en soi, j'ai utilisé juste à faire. Il y a juste à faire quelques sauts et c'est bon. On peut aller là. Bon, ensuite... Voilà. Bon, vous voyez ce que nous avons ici. Oh. Rocher. Ça fait un peu fromage des rochers en soi. Il manque... Bon, il manque juste une petite lune là, elle est où là?
la merde. On va pas tout péter quand même. Ah d'accord, il y en a là. Ah si, on va tout péter du coup. Le truc est sous le sol. Allons-y. De toute façon, là, on a assez de lunes pour finir ce pays parce que le boss il donnera 3 lunes de toute façon. Donc on va finir ça vite fait alors. Plongeons dans la marmite du fourneau. Ah, il cherche de la viande. J'ai dit que je peux finir ce niveau en soi, je vais le finir. Il y a des choses que je ferai plus tard ça sera son tour. C'est une multilune carrément ici. Pourtant le boss il va me donner aussi une multilune là, non? Bon c'est pas grave. Hein. Ça fera 2 multilunes hein. En remontant la cascade de lave. Bien eu, on a été prosté jusqu'ici, Mazette, il engueule pas ce volcan. Le volcan est toujours en éruption. D'accord, j'ai tué le mec. Ah
Ah bravo, je me suis suicidé. Bon bah allons-y, c'est pas grave, on s'est suicidé mais on peut toujours le faire. Ouais bon là écoute, comment tu veux que je fasse hein? Là je pouvais rien faire. On va récupérer quand même ceux qui sont un peu sur mon chemin. Et puis que ça c'est l'histoire en soi, c'est une lune qui est normale. Dans les plumes de Toc Toc. C'est comme ça que s'appelle ce boss, Toc Toc. D'accord, c'est bizarre comme nom mais bon. Voilà, comme ça, ça s'est fait. On va récupérer ça. Ok, c'est juste des pièces. Bon, allez, allons voir le boss.
Bon allez, hop, il reste plus qu'un coup normalement. On va en profiter pour enlever les morceaux là, comme ça au moins la potée est vraiment une potée, pas une soupe de légumes. Hein. Voilà, tu vois, c'est parfait là. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a touché là, non? Mais non! Pas un poulet dans le... dans la potée! Quel goût ça doit avoir ça, bordel, maintenant qu'il y a un boss dedans! Allez, zou! Il nous reste plus qu'un coin en soi à compléter là, je vois, il reste que plus que une paravoile en soi. Une voile en soi, bon, c'est pas une paravoile. On peut se rendre au pays de Bowser. Quoi, cette crapule a son propre pays. Eh oui, il a son propre pays, c'est étonnant, n'est-ce pas? Pardon, je baille, comme d'hab. Eh bien, rendons-nous au pays de Bowser, écoutez. S'ils ont fait le plein de potées de fête, c'est probablement qu'ils ont l'intention de réunir des invités à la cérémonie. Bon, bon, bon. Ouais, bon. Triple saut, on s'en fout. Alors, reprenons nos vérifications. Voyons. Le Bowser. Dans le pays de Bowser, c'est ce Bowser-là. Ça sent le rossi. Que... C'est quoi ces sous-coups? Allons voir dehors. Essaye de survivre à ça. Il a une petite marmite avec un volcan. Trop bien, Bowser. Et quand même, Bowser, c'est quelqu'un de perspicace, hein, qui aime faire les choses dans l'ordre. Le DC est à nouveau cassé. Il faut qu'on trouve des lunes de puissance pour le réparer. On a trois lignes à trouver pour réparer ce vaisseau.
Ah, ouais, bon, d'accord. C'est le boss. Regardez-moi ce dragon. Il est si beau ce dragon. Il y a un machin de buzzer qui permet en soi de garder son point faible intact, on va dire. Allez, parfait. T'inquiète, pas besoin de faire attention au champ électrique, il est mort. Il est énorme d'ailleurs ce dragon. Bataille avec le seigneur de la foudre. D'accord, seigneur de la foudre, pas mal. L'Odyssée est réparée. Bah maintenant on peut se rendre finalement au pays de Bowser. On en a perdu du temps avec tout ça, mais maintenant notre affio est plus rutilant que jamais. Bon, alors l'imposant château de Bowser domine toute la zone. Il faut vraiment retrouver nos demoiselles. Qu'on retrouve nos demoiselles. T'inquiète pas, tout va bien se passer normalement. Pays de Bowser, château de Bowser. Infiltration du château de Bowser. On y est. Cette fois, cette bataille décisive. Cette fois, une bataille décisive nous attend. Ah, on n'a pas de lune à récupérer en soi là. On peut juste faire tout le jeu sans récupérer de lune en soi là. Bah, tout le pays sans récupérer de lune.
En soi, je vais quand même en récupérer. Je vais récupérer ce qu'il y a sur mon chemin. Mais si je suis obligé de faire un détour pour récupérer l'une, bah, je vais pas le récupérer. Juste récupérer ce qu'il y a sur mon chemin. Par exemple, là, cette lune qu'il y a là. C'est vrai qu'il y a des pièces Bowser ici aussi. Excusez-moi. Non, non, c'est bon. Je me suis tapé un iris là. Voilà, ça c'est fait. Bon, on peut continuer à faire le château de Bowser, hein, en soi. Stratégie explosif. Vu que j'ai pas de... En soi, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. On n'a pas besoin de récupérer, donc... En tout cas, je vais quand même récupérer les pièces violettes que je vois. Il y en a 100 à récupérer, donc... Bizarre, je pensais qu'il y avait quelque chose là.
J'ai vu qu'il y avait des pièces violettes sur la forteresse, mais bon, la muraille, mais bon. J'ai pas envie de les récupérer maintenant, je les récupérerai peut-être plus tard. En tout cas, ouais, je me doutais bien qu'il y avait des... Il y a des pièces partout ici. Ce pays va être chiant à faire parce qu'il y a plein de trucs partout en soi. Le baroud des brodales. Bon, on va acheter une lune du coup. Parce que c'est le pays de Bowser après tout. Allez hop, et on va récupérer le deuxième. Voilà. Hop là. J'ai pas récupéré le checkpoint. Ouais. Je sais plus s'il y a une lune quelque part ici, mais bon. Le tableau est vide là. Je crois que c'est parce qu'on peut pas y aller, on devrait y aller plus tard. Bon, il me semblait qu'il y avait une lune quelque part là, en tapotant avec le Jizo là. Il est plus là. Au moins que j'hallucine et qu'il n'y en ait jamais eu, mais bon. Ok, il n'y en a jamais eu. J'ai halluciné. C'est parti pour les combats. Ouais, Minus, le mariage sera célébré. Insensément sous peu, le patron se prépare dans le donjon là-haut. Et vous deux, bah, vous pouvez vous brosser, vous n'êtes pas invités, ok?
Allez, Zou, casse-toi là. Allez, au suivant. Il reste plus que toi, mon petit. Le patron disait vrai, vous êtes encore plus collant que des limaces sur une feuille de laitue. Mais cette fois, au nom de tous les brodales, je vais vous faire avaler l'envie de continuer à nous suivre. Voilà, allez, goodbye. Allez, ça c'est fait. Franchement, c'était plutôt simple à battre. Oui, je sais, t'inquiète pas, ça va bientôt se finir. Ouais, tout ça, là, c'est la fin. Ok. Bon, c'est la fin de cette vidéo du coup. Bon, voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui du coup. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine prochaine du coup. On va juste récupérer peut-être ce drapeau et après j'y vais. Parce que attends, je crois qu'aussi il y a un... Ah non, c'est juste que le bloc qui est ici. Je croyais qu'il y avait un indice en soi pour le truc d'après. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle. Salut et bye bye!